Niché, presque caché dans un petit square au sud de la cathédrale, le manoir de la Psalette doit son nom au verbe psalere, chanter des psaumes, car il a accueilli au XIXe siècle une école pour enfants de chœur. Mais son histoire est beaucoup plus ancienne. Ce logis date du XVe siècle. Il est exceptionnel tant du point de vue architectural qu'historique, puisqu'il a été bâti par le vice-chancelier de Bretagne. Ce bâtiment est à la fois une chancellerie et une résidence aristocratique attribuée à Jean Goujol de Rouville, qui en est le commanditaire, a priori qu'il l'a fait construire entre 1462 et 1465. Donc c'est une résidence aristocratique d'une part, et d'autre part, c'est quand même un lieu d'exécution du pouvoir. Donc on est sur le pouvoir ducal, qui se montre notamment par les écussons au-dessus de la collade sur laquelle est en train de travailler là le sculpteur. Les travaux de restauration concernent principalement la façade sud du bâtiment. La partie gauche, profondément remaniée par le passé, est en pierre de Sireuil. Elle a été traitée par micro-abrasion, puis passée à l'eau-forte pour unifier l'aspect du manoir. La partie droite, en tuffeau, est travaillée à la main. Il s'est agi notamment pour les tailleurs de pierre et les sculpteurs de retrouver tous les ornements et motifs gothiques abîmés, voire effacés par le temps. On avait assez de témoins sur place, justement redessiner toutes les formes manquantes. Toutes les formes qui étaient cassées, qui étaient érodées. On avait quand même assez de témoins. On en a toujours, un petit peu. C'est un petit travail passionnant, pas d'archéologue, mais presque, quoi. Des témoins, ça peut être des fonds d'angle d'éléments disparus, mais où on a une trace sur le mur, contre le mur. Tout ce qui est en de couleurs ont été changées. Tout ce qui est en noir, bah, c'est des éléments qui sont gardés quoi, et restaurés. À travers ce travail minutieux sur l'ornementation de la porte d'entrée, les encorbellements ou les baies, la façade retrouve son allure d'origine flamboyante. Ce qui est remarquable, c'est que là où les meneaux traversent en pierre avaient disparu, avec les traces en fait justement de ce fameux calpinage, on a pu restituer ces meneaux traverses. Et notamment la porte qui avait été a priori remaniée au XVIIe, du coup, elle est redevenue une fenêtre avec des meneaux traverses et des moulures à baguettes, comme on le voit, dans le même esprit que l'esprit fin 15e, enfin, en tout cas stylistiquement, quoi. Vous savez, toutes les liernes comme ça qui partent, c'est assez drôle parce que souvent ça fait des grimaces. Un soin tout particulier est apporté aux huisseries avec leurs meneaux traversants en bois. Les vitraux sont montés au plomb. Le respect de l'histoire est présent dans chaque détail. Donc la façade sud était le premier pied à l'étrier de cette redécouverte, sachant qu'il faut pour la suite une étude d'archéologie du bâti beaucoup plus fine. Et donc les travaux vont se poursuivre, mais après ce travail d'archéologie, quoi. Les Nantais et les touristes vont ainsi pouvoir redécouvrir ce manoir remarquable qui s'inscrira dans un parcours de découverte du patrimoine médiéval.